salut à vous, hein. Partagez la vidéo maximum et puis invitez vos amis. Là, je suis sur ma page officielle, Ibele Nangama. Voilà. Bonjour Mamadou Fofana, comment tu vas? Salut tous les vrais prohibés, tous les vrais partisans. Sans oublier mon chef Yamsa Bakayogo. Salut depuis ta position. Le fils adoptif de Ibe, salut depuis ta position. Kajusi Abidjan, Chris, Petit Zoom, Douglas, Papis. Salut à vous, Ibe, Las Côte d'Ivoire, Morino. Salut à vous, Las, depuis Beka. Et salut toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc dans 3 minutes, nous allons commencer la vidéo. Excusez-moi pour le retard. Voilà. Excusez-moi pour le retard, vraiment. Ceux qui ne sont pas abonnés ici, n'ont pas s'abonné. Donc c'est pourquoi il dit derrière la vidéo là. Et essayez de partager ça maximum pour que les gens puissent s'abonner ici. Parce que logique, IB va arriver. Inch'Allah. C'est si je vais faire la vidéo pour annoncer qu'IB est arrivé en Côte d'Ivoire. Mais dès qu'il va arriver, ils vont m'appeler. C'est comme quand il est arrivé à Bobo, on m'a appelé pour dire qu'il est arrivé. Donc ça serait pareil. Voilà. Je salue ici tous ceux qui font les bénédictions pour moi, tous ceux qui prient pour moi. Et nos chefs aussi, qu'on appelle Ibrahim Poulibaly. Tous ceux qui prient pour lui, tous ceux qui font les bénédictions pour lui, on vous remercie beaucoup. Longue vie santé à vous tous. Voilà, pour qu'on puisse le voir arriver. Voilà. Demain, j'ai fait la vidéo, j'ai fait l'autre vidéo sur ma page, sur l'autre compte là où j'ai fait d'habitude là. Demain, Inch'Allah, mais c'est pas à quelle heure d'abord. Voilà, mais je vous dirai Inch'Allah. Voilà. Le Seigneur de salut à toi, Nadia. Je dis salut à toi. Et salut ici. Mon fils, depuis Château d'Eau. Ouais, ils sont beaucoup. Hein. Il y a Fashion, c'est là Fashion. Sans oublier Zebekeño, depuis Château d'Eau, mon fils. C'est pas Zebekeño de RADP là, non. Il y a mon fils qui a Château d'Eau, en fait Zebekeño. Lui, c'est Pro Babo. Voilà, Zebekeño, lui, c'est RADP. Voilà. Et sans oublier mon vieux père, Solo, depuis Château d'Eau, Cap 42. Et je dis à tous les gens de Château d'Eau, ceux qui ne croient pas à ce que j'ai dit, parce que je vous avais dit, je vous avais parlé de, à l'époque, je vous avais dit que non, le président Gbagbo, moi, c'est pas moi, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui a dit qu'il va sortir un jour, c'est pas moi. Je vous ai dit ça, vous avez dit c'est faux. Pour Ibe aussi, il a dit Ibe va venir, vous dites c'est faux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'espère que vous allez me dire très bientôt si je mens ou bien si je dis la vérité. Voilà. Donc ici, je tiens à vous dire, en fait, remercier le bon Dieu le Tout-Puissant qui nous a créés. Et grâce au bon Dieu le Tout-Puissant, vous et moi, on va s'écouter, on va se regarder. Voilà. Et en même temps, je demande la route à tous mes alliés, à ceux qui ont fait l'alliance. Voilà, au taquet, un petit Kouera, un petit Nielaka, ils vont se reconnaître. Voilà, donc, Santade, ouais, fils Touré, salut à toi, petit Ibé. Et salut ici, Ibé Major, depuis Paris. Donc, là, je vais commencer la vidéo. Là, je sais que mes alliés m'ont donné la route. Voilà. Donc mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, sans tarder. Voilà, aujourd'hui, attendez, ne quittez pas. Sans tarder, nous allons commencer la vidéo. C'est le grand Yuzé, je suis plus à présenter, ceux qui ne me connaissent pas, c'est le grand Yuzé, c'est lui là-même, le messager de IB sur les réseaux sociaux, depuis 2 ans, 6 mois. Oui, depuis 2 ans, 6 mois, je suis fier. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que nous, les prohibés, nous remercions le bon Dieu le Tout-Puissant qui a sauvé son petit Ibrahim Koulibaly dit Ibé, que nous on a surnommé le Nangama International du Sorcier Noir, parce qu'il faut remercier le bon Dieu.
Parce que quand il entend parler, les gens disent que non. L'armée qui est partie derrière lui, là, il ne pouvait pas s'en sortir. Oui, c'est vrai, l'armée qui est partie derrière lui, il ne pouvait pas s'en sortir. Quand les gars même citent, ils citent les chefs, non, les chefs de guerre. Ils disent que non, avec ceux-là, il ne peut pas sortir vivant. Non, il ne peut pas sortir vivant. Oui, c'est vrai, mais le Dieu Tout-Puissant est là. Hein. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, je suis là ce soir pour vous dire que nous, les pro-IB, nous les partisans d'IB, nous remercions le bon Dieu d'avoir sauvé IB, d'avoir sauvé son petit. Oui, parce que sans lui, ils allaient l'avoir. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous dis haut et fort, je mets quiconque au défi. Quand il y a tant parlé, les gens passent par là. Je les ai mis au défi, je les mets encore au défi. C'est pourquoi je suis fier de moi. Oui, lorsque quand j'ai su qu'IB est là à 100%, il dit oui. Et j'ai dit bon, pour les partisans, les vrais partisans, et ceux, les pro-IB qui ont été tués, pour les parents, je vais jurer sur le Coran, le livre sacré d'Allah, pour montrer au monde entier que non, IB est bel et bien vivant. Maintenant, celui qui dit que c'est faux, il le met au défi. Il vient faire vidéo pareil comme ce qu'il a fait dans ma vidéo. Prends le Coran et puis jurer là-dessus. Mais il va jamais avoir. Oui, ils vont jamais le faire jusqu'à ce qu'IB vienne. Et c'est pour très bientôt, Inch'Allah, c'est pas d'un bon Dieu. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. IB, c'est un Nangama. C'est un Nangama. C'est pourquoi on l'a nommé le Nangama international du sorcier noir. C'est un sorcier. Lui-même, il a déjà dit ça, qu'elle était au Bénin. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, depuis 2014, mes camarades, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils ont tous fait la publication comme quoi Ibrahim Koulibaly est bel et bien vivant. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Vous pensez que si Ibrahim n'était pas vivant, moi, le grand Yusé, est venu parler pour dire qu'Ibrahim est là. Mes camarades, depuis 2014, j'ai dit qu'Ibrahim est là. Jamais de la vie. Les bourreaux, là, ils vont pas nous laisser. Les bourreaux de Ibrahim, ils n'allaient pas nous laisser. Jamais de la vie. C'est parce qu'ils savent qu'il est là, c'est pourquoi ils ne nous ont rien dit jusqu'à aujourd'hui. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est parce qu'IB est là. Nous, depuis 2014, mes camarades, ils sont en train de dire qu'IB est là, mais en écrivant, ils ne feraient pas de vidéos. Et moi, je suis venu, ça fait 2 ans, 6 mois, j'ai dit IB est là. Personne ne parle. Ceux qui ont dit qu'il est mort, personne ne nous contredit. Personne ne parle de ça. Ça veut dire que non, effectivement, IB est là. Sinon, s'il n'était pas là, ils n'allaient pas nous laisser dire qu'IB est là, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a RFI, il y a RFI, il y a France 24, il y a, qu'on appelle la RTI, et tous ont dit qu'il est mort. Et puis moi et mes camarades, on vient, on dit que non, il est là. Et puis on ne nous dit rien, ça veut dire que non, il est là. Il se porte très bien, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, mes parents, je vous dis, le jour de l'arrivée de IB, les sous, ils vont attendre. Les miens, ceux qui ne parlent pas là, ils vont parler, les bobos là, ils vont parler ce jour-là. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Les aveugles, ils vont voir ce jour-là. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Ça va se passer en Côte d'Ivoire. Oui, le troisième miracle. Oui, le troisième miracle, c'est IB. Du jamais vu en Côte d'Ivoire, ni en Afrique. Oui, c'est un don de Dieu. Dieu ne donne pas à n'importe qui ses dons. Chacun a un don dans sa vie. Oui. IB, son don, et le don que Dieu a donné à IB, c'est jamais il n'a pas donné ça à quelqu'un en Côte d'Ivoire, ni en Afrique. Oui, on dit que quelqu'un est mort et puis s'est réveillé. C'est pas donné à n'importe qui. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Quand je dis ça, je suis fier. J'ai la chair de poule. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Nous les pro-IB, nous les vrais pro-IB, nous les partisans. Nous sommes fiers de notre leader charismatique, nos leaders du peuple. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Nous, jamais de la vie, nous les prohiber, nous les partisans, nous ne sommes pas dans le mensonge parce que nos chefs, ce n'est pas un menteur. Oui, ce n'est pas un menteur. C'est pourquoi nous sommes fiers de lui. Mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis, ne vous inquiétez pas, IB sera là bientôt en Côte d'Ivoire. IB sera là bientôt en Côte d'Ivoire, très bientôt en Côte d'Ivoire, et tout le monde le verra. Mais chaque fois, pourquoi il dit chaque fois, longue vie santé, parce que c'est important. Longue vie santé, c'est ce qui est important. Voilà. Donc quand il entend parler, les gens disent encore que IB, depuis s'il était là, n'écoutez pas, hein. Donc,
Il y a garé, il vient. J'entends parler, les gens disent que Ibessi était là. Il allait sortir sa tête parce qu'il parle. Non, Ibé parle pas. Ibé, c'est pas. Ibé, vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi vous dites que non. Qu'on appelle. C'est pourquoi vous dites que depuis là, s'il était là, vous ne le connaissez pas. Vous n'allez jamais le connaître. Oui. Nous sommes fiers, nous les pro-Ibé, nous les partisans de Ibé, nous connaissons nos chefs. Donc il vous a montré que non, vous ne le connaissez pas. Voilà. Donc mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous dis, Ibé, si peut-être un bon Dieu, si Dieu nous donne tous notre vie santé, un jour, c'est pas moi, hein, c'est Dieu, toujours, un jour, Ibé va gouverner la Côte d'Ivoire. Ça serait le troisième miracle quand il va arriver, et qu'on appelle le quatrième miracle quand il va gouverner la Côte d'Ivoire. Mais le deuxième miracle, quand il sera président en Côte d'Ivoire, et c'est pas moi, c'est Dieu qui va lui donner, qui va faire en sorte qu'il aura beaucoup de richesses en Côte d'Ivoire. Beaucoup de richesses en Côte d'Ivoire, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, il aura beaucoup de richesses en Côte d'Ivoire. Sous la gouverneur de Ibrahim Koulibaly dit Ibé, que nous l'avons nommé le Nangama international dit le sorcier noir. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, et c'est ça qui est la vérité. C'est pas moi, c'est Dieu. Oui, il aura la joie, la gaieté. Oui, il n'aura rien. Mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, déjà quand il vient, il n'a pas problème avec quelqu'un, comme tu lui dis. Ibé n'a pas problème avec quelqu'un. Il a pardonné tout le monde. Tous ceux qui ont voulu le tuer, les ont tous pardonnés. Il arrive, la place que Dieu a réservée pour lui, on lui donne ça. Dieu lui donne, il prend ça, il est là, 2025. Inch'Allah, si peut-être un bon Dieu, il va se présenter aux élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il ne vient pas pour se venger contre qui que ce soit. Voilà, c'est pas un enculé. Voilà. Parce que quand Dieu est avec toi, quel que soit Alpha, il faut pardonner. Voilà, c'est ça qui fait la force de IB. Voilà, la force tranquille. Donc mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, c'était juste une petite vidéo que j'ai voulu faire sur ma page officielle. Et parce que c'est important. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui s'abonnent rapidement, parce que très bientôt, IB sera en Côte d'Ivoire, et nous allons, c'est si je vais faire la vidéo, dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est si je vais faire la vidéo, avant de suivre, avant de poursuivre les autres, quelques vidéos sur l'autre page, Dosso Youssouf, le grand usé. Voilà, c'est là-bas que j'ai fait mes vidéos, d'habitude, demain, Inch'Allah, je serai là-bas, mais c'est pas à quelle heure, mais ce sera après-midi, je ferai une vidéo là-bas, demain, après-midi, Inch'Allah, sur Dosso Youssouf. Voilà, le grand usé. Ça, c'est ma page officielle. Ibé le Nangama. Voilà. Donc, partagez cette vidéo-là maximum pour que les gens puissent s'abonner ici. Voilà. Donc, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, sans tarder, tous ceux qui étaient ici, longue vie santé à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège à vos familles. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que vive la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu mette toujours sa main sur la Côte d'Ivoire. Et vive Ibé. Que Dieu le protège toujours. Que Dieu mette toujours sa main sur lui. Voilà, que Dieu le bénisse toujours. Voilà, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est ça qui est la vérité. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est vrai, il y a eu retard, mais Dieu, c'est Dieu qui décide tout. Nous, on peut pas décider à la place de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est fini, c'est bouclé. Et par la grâce de Dieu, Ibrahim Koulibaly dit Ibé, que nous l'avons nommé le Nangama international, dit le sorcier noir. Il va arriver très bientôt en Côte d'Ivoire. Et il a beaucoup de noms. Le Tazan, Oluolu, le roi de la jeune, le faisait du roi, Excellence, le vent. Oui, il a beaucoup de noms. L'Allemand, oui, l'Allemand, les chefs de guerre, ils vont se rappeler, ouais, de ce nom-là. C'est le fameux nom, oui, qu'on lui avait donné lors de la rébellion. Donc c'est pour vous dire, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, là, je suis en train de conduire, vous avez vu, je suis en train de conduire. Voilà, donc je me sens à l'aise. Donc je ne vais jamais venir mentir devant le peuple de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Sinon, vous allez me maudire. Voilà, donc en plus, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Quand tu mens au peuple de Côte d'Ivoire, ça va te rattraper, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Oui, c'est dit, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est l'un des pays dans le monde que Dieu a béni, que Dieu a sa main là-dessus. Donc, comme Dieu n'a pas créé le monde dans le mensonge, donc la Côte d'Ivoire, quand tu mens au peuple de Côte d'Ivoire, ça va te rattraper tôt ou tard.
C'est pourquoi nous disons chaque fois, qu'on appelle les politiciens, n'ont qu'à s'entendre, n'ont qu'à faire la paix, pour une vraie réconciliation. Ils sont en train de voir actuellement, il y a des gens qui sortent de la prison, ils n'ont qu'à faire sortir tous les prisonniers, les exilés n'ont qu'à rentrer, tout le monde n'a qu'à rentrer pour qu'on puisse faire la paix, qu'on appelle la réconciliation nationale. Voilà, pour qu'on puisse finir cette histoire de, qu'on appelle chaque fois, il y a mort, il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire, il faut que ça s'arrête. Voilà, pour une bonne fois pour tous. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes là et nous serons toujours là. Ibé est là, Ibé sera toujours là. Oui, Ibé aujourd'hui, Ibé demain, Ibé après, demain matin. Oui, ça c'est clair. C'est vrai, tout le monde ne peut pas t'aimer, ça c'est obligé, tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais il faut respecter la personne que tu dois respecter. Ibé, c'est quelqu'un à respecter, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, je vois beaucoup aussi, ils parlent beaucoup. C'est grâce à Ibé, ses camarades. Sinon, ils n'allaient pas parler aujourd'hui comme ils sont en train de parler. Si le PLC était au pouvoir, oui, ils n'allaient pas parler aujourd'hui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Dieu les salue à toi, à Karabolo. Oui, mes parents, c'est là qu'est la vérité. Si le PLC était au pouvoir, ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, oui, ils n'allaient pas parler aujourd'hui. C'est-à-dire, ceux qui parlent mal de Ibé, ils n'allaient pas parler aujourd'hui. Ceux qui disent que non, il faut qu'on le tue, ils n'allaient pas parler aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a des gens, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Mais c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a mis en mission de venir vous dire, de venir dire au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, que son petit est là, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, que nous l'avons nommé le Nangama international dit le sorcier noir. Et c'est ça qui est la vérité, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens, ils ont qu'on appelle, comme on a l'habitude de dire souvent, si Ibé était mort, c'était cadeau. Oui, c'était cadeau, c'est fini. Si Ibé était mort, c'était cadeau, c'est fini. C'est fini. Nous, on n'a même pas parlé. On n'a même pas cœur pour parler même. On n'a même pas cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui avait cœur pour parler. Pour dire qu'il va parler de Ibé. Non, non. Si Ibé était mort, c'est fini. C'est fini. Cosco down, c'est fini. Abata, c'est fini. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, je vous dis, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes très contents. Il faut que je remercie le bon Dieu à tout moment. Si on remercie le bon Dieu, Dieu même sait que nous, on le remercie tout le temps. Mais souvent, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de venir le remercier ici, sur ma page officielle, Ibé le Nangama International, dit le sorcier noir. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Koulibaly. Oui, il va arriver. Il va arriver. Demandons toujours longue vie santé. C'est ce qui est important. Mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Et les gens, comme je disais tout à l'heure, et les gens ils ont tué bœuf, ils ont tué mouton, ils ont gêné, ils ont fait carême, parce qu'ils étaient contents. Oui, quand ils ont entendu la mort d'Ibé, ils étaient contents. Donc ils ont fait tous ces dons-là. Oui, ils ont fait tous ces sacrifices. Donc aujourd'hui, ils veulent pas entendre que non, Ibrahim Koulibaly dit Ibé, que nous l'a nommé, le Nangama international dit le sorcier noir est là. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, le soleil va s'élever. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil s'élève. Oui, on peut pas cacher le soleil à la main. Oui, Ibé a toujours dit ça, on peut pas cacher le soleil à la main. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire, quand tu mens, ça te rattrape. Quand tu dis la vérité aussi, ça te rattrape. Oui, mes parents, le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser. Bon week-end à vous. Demain, Inch'Allah, après-midi, je serai là. Mais c'est pas sur ça. Je serai sur Dosso Youssouf, où il fait la vidéo d'habitude. Dosso Youssouf, le grand usé. C'est là-bas, je serai demain, Inch'Allah, après-midi, mais c'est pas à quelle heure d'abord. Voilà. Donc, tous ceux qui étaient ici, partagez la vidéo sur vos pages, partout, dans les groupes, partout, pour que l'information arrive loin. Il ne faut pas que l'information soit de votre côté seulement. Il faut informer les gens. Même s'ils ne croient pas. Comme il y a toujours dit, je force personne de croire. C'est tout. Partagez la vidéo. Vous partagez la vidéo des autres. Partagez ma vidéo. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas. Peut-être parce que non, quand il fait vidéo, c'est pour avoir les vues. Non, c'est pas ça. Et voilà ma page officielle. Si c'est pour avoir les vues là. Mais j'ai fait ma page officielle là, j'ai fait vidéo après, je paye Facebook 20€, 15€. Ils font ma publicité. Comme ça, il y a beaucoup de vues. C'est ce que beaucoup de personnes font. Les vidéos manquent. Demandez-les si c'est faux. Mais moi, je ne fais pas. Quand il est fini là, c'est fini. Il n'y a pas payé Facebook pour partager. Non, 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 non. Parce que moi, je n'aime pas le faux en fait. Parce qu'il nous a pas appris le faux. Donc moi, je n'aime pas le faux. Voilà, quand j'ai ouvert la page officielle, j'ai voulu faire ça. Après, c'est même pas marché même ce jour-là. Donc il a dit, bon, j'ai dit le faux là, je n'aime pas. Donc c'est pourquoi je ne fais pas de faux. Je n'ai pas payé Facebook pour faire ma publicité. Non. C'est pourquoi je suis fier quand je parle et puis qu'on appelle ceux qui sont là, ceux qui vont voir ma vidéo. Voilà, je suis dans le vrai, ça me plaît, au lieu d'aller dans le faux, pour dire non, qu'on appelle pour que les gens, tout le monde entier n'ont qu'à voir ma vidéo forcément. Non, moi je veux le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, si le peuple de Côte d'Ivoire voit ma vidéo, c'est l'essentiel. Maintenant après, quand Ibé va venir, le monde entier va voir Ibé, c'est tout. Voilà, donc c'est pourquoi je vous demande de partager ma vidéo, sinon c'est pas pour autre chose.
Voilà, donc mes parents, sur ce, on va se laisser. Merci beaucoup à vous. Et on se dit à demain, Inch'Allah. C'est peut-être à bon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.